Morgen, allez, Iden, et juste aujourd'hui, le Nishmat, François Fajimatrana, Janine Ruth, Batfortune, Bazal Fritna, Claude Shlomo, Ben Shalom, et Ishaya, Ben Linda, si vous souhaitez, vous souhaitez d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous, c'est une Maserhet Pea, Perik Bet, Mishnahe. Azorea et Sadeu, Minechad, Afalpi, Sheu, Seu, Shtegeranot, Noten Pea, Echat, Zraa, Shne, Minim, Afalpi, She, Asaan, Gorenachat, Noten, Shtei, Peot, Azore et Sadeu, Shne, Minechitim, Asaan, Gorenachat, Noten Pea, Echat, Shtegeranot, Noten, Shtei, Peot. On reste dans le sujet général que tu donnes une Pea pour chaque champ. Et pas une PA d'un champ sur l'autre. Mais avec à présent, hein, jusqu'à maintenant, on avait parlé lorsque ton champ il est coupé en deux, on avait parlé des légumes, des céréales, des arbres, et des caroubiers et des oliviers. À présent, on va parler d'un sujet un petit peu différent. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais pousser deux espèces, considérées comme deux espèces, ou bien tu fais pousser une espèce que tu veux considérer comme deux espèces? À savoir, par exemple, je plante un champ entièrement à Zoret, Sadeo, Minerad. Je vais semer et planter tout mon champ avec une seule espèce, du blé. Mais quoi? Afalpiché au Seo, j'te granote. Même si je le fais concrètement, je le fais deux granges différentes. Parce qu'en fait, la moitié du blé que je fais, c'est la même espèce exactement. J'ai prévu que la moitié du blé que je vais faire, je vais la faire pousser dès qu'elle atteint un tiers de sa croissance. Je le cueille tout de suite. Ouais, un tiers, c'est déjà le minimum pour être consommé. Et comme ça, je vais avoir du blé frais. Et à part ça, l'autre blé, je vais laisser au contraire, je vais laisser pour finir complètement de pousser, pour donner des grains de blé encore plus. Imaginez, pour manger du blé de la daffina, c'est meilleur comme ça, et puis l'autre, c'est meilleur pour faire de la farine. J'ai décidé de faire moitié-moitié. Donc, je plante une seule espèce que je vais couper en deux granges différentes. Mais tout pousse en même temps. Ça veut dire qu'il va arriver... J'ai planté maintenant, on va dire que j'ai planté, je crois qu'on plante à peu près en Cheshvan qui se lève. Arrive le mois de Nissan, Iyar, ça commence maintenant à pousser. Dès que le blé, il atteint déjà le tiers de sa croissance, je cueille la moitié du champ, je le fais entrer dans ma grange, c'est le blé pour la daffina. Et puis, j'attends que le reste continue à pousser. Bon, j'attends maintenant cette fois-ci jusqu'à Sivan, par exemple. Je vais couper l'autre moitié du blé, c'est un gavetti en l'occurrence. Je vais couper l'autre moitié du blé maintenant pour... en faire dessus de la farine. D'accord? Imaginez, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, c'est une seule espèce que j'ai coupée en deux granges. Une, j'ai coupé à une certaine... J'ai cueilli à une certaine époque. Et l'autre, j'ai cueilli à l'autre époque. Maintenant, je précise, on parle que tout a poussé en même temps, mais que la moitié, j'ai voulu prendre tout de suite, et l'autre moitié, j'ai voulu le laisser plus longtemps. Eh bien, la Mishnah me dit, « Azoret sadeu minechad », celui qui va planter son champ d'une seule espèce. Bien qu'il le fait concrètement deux granges, noten PA echat, il ne donnera qu'une seule PA pour tous les deux champs, pour toutes les deux parties, parce que tout ça, ça s'appelle une seule espèce. Et si tu as décidé de le cueillir de deux manières, avec deux périodes, malgré tout, c'est une seule espèce que depuis, puisque au moment où tu commences à cueillir, tu peux tout cueillir, ça s'appelle une seule espèce, tu laisseras une seule PA pour les deux champs. Par contre, zra'a shne minim, par contre, si tu vas planter deux espèces différentes, Afalpicha San Goranachat, même si concrètement, tu veux ensuite les prendre et tous les cuire, tous en même temps, tout mélanger. Imaginez que tu vas mettre de manière permise, comme ça il n'y a pas de problème de kilaïm, si on est un tuto, il y a un problème de kilaïm, comment le faire? Imaginez que tu as fait un champ où il y a la moitié du blé, l'autre moitié de l'orge. Et ton but, c'est de faire quoi? De tout cueillir en même temps, de tout mélanger dans ta grange en même temps. Et tout va pousser en même temps et tu vas tout cueillir en même temps et après. Tout pour faire une farine spéciale qui est considérée, qui est composée de 50%, 50% de blé et d'orge, c'est comme ça que tu manges a priori, c'est ce que tu veux en faire. Donc tu veux apparemment tout considérer comme une seule espèce. Et la question est-ce que tu peux donner une seule PA pour les deux champs, ou bien tu donnes un coin du champ pour le blé et un coin du champ pour l'orge. Et la Mishnah vient me dire, Zra'a shne minim, si tu as planté deux espèces, Afalpicha Asan Golenechat, même si tu as tout cueilli ensuite en même temps, pour tout mélanger, malgré tout, je ne sais pas, tu donnes deux PA. Donc une espèce de blé que tu prévois pour deux fins différentes, un qui va être cueilli un peu plus tôt que l'autre, tu donnes une PA pour tous les deux champs. Et lorsque c'est deux espèces, même si tu vas tout cueillir en même temps, eh bien tu donnes une PA pour chacun. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est une même espèce qui va être considérée comme deux espèces? Là vient le cas particulier.
Azorat Sadeo Shneminichitin, celui qui va planter son champ avec deux espèces de blé. Un, par exemple, c'est du blé blanc, et l'autre, c'est du blé plus rouge. Ça existe, d'accord, du blé plus brun. Eh bien, la Mishnah me dit, Azorat Sadeo Shneminichitin, deux espèces de blé. Asan Goren Khatla, ça dépend de qu'est-ce que tu vas, comment tu vas les cuire concrètement. Si tu vas à San Goren Khat, si tu cueilles tout en même temps ensuite, alors ça s'appelle une seule espèce. Ah, il y a du blé comme ci et du blé comme ça, tout ça c'est du blé, on s'en moque, s'il y a une petite nuance entre les deux, parce que tu ne les considères pas comme deux choses. Donc tu pourras laisser un champ sur l'autre. Imaginez que tu as planté le grain plus blanc d'abord, et après le grain plus rouge, et tu as commencé maintenant à cuire, si tu veux cuire tout le blanc, tout le blé blanc plus les 29 trentièmes du blé rouge, et laisser un coin pour tout le blé rouge, pour tous les champs, ça marche. Parce que toi, tu les considères comme une seule espèce, tu n'es pas obligé de donner une espèce de chaque type exact de ce qui pousse, parce que tout est considéré comme une seule espèce. Par contre, si Noten Perhat, par contre, si tu l'as fait jeter granot, si toi tu le cueilles en deux temps, c'est une seule espèce de blé, malgré tout, tu le cueilles toi-même en partie distincte, parce que tu veux que tu aies le blé blanc et le blé rouge, même si tu comptes ensuite les mélanger. Mais pour le moment, toi-même, tu les considères comme deux espèces. Peut-être que tu vas les revendre comme ça. Il y en a qui veulent du blanc, il y en a qui veulent du rouge, et ainsi de suite. Et bien dans ce cas-là, tu devras donner une PA pour chaque espèce différemment, parce que toi-même, tu les considères comme deux espèces. D'accord? Donc je reprends, on a trois cas dans la Mishnah. On a le cas, j'ai fini de traduire, attendez, ouais, non, on a fini de traduire. Azorat Sadeo, Shemin, celui qui va planter son champ, deux espèces de blé. Asan Goranachat, s'il les a fait une seule grange, après qu'il tourne dedans, et bien Noten PA et Khat, pour donner une seule PA. Un coin du champ double, un coin du champ général pour tout ce qui est planté dans ce champ. Par contre, si tu l'as fait en jeté granot, tu l'as planté en deux granges distinctes, et bien dans ce cas-là, Noten jeté pas, tu dois donner deux PA. Donc je reprends. On a que une espèce que tu veux considérer comme deux espèces, ça sert à rien, tu laisses une PA pour tout. Deux espèces que tu veux considérer comme une espèce, c'est considéré comme deux espèces. Une espèce où il y a une petite nuance, là on s'intéresse à quelle est ton intention. Si tu les considères toi-même comme une seule grande espèce, tu laisses une PA pour tout. Si tu les considères comme deux espèces, parce qu'il y a quand même une différence, eh bien dans ce cas-là, tu devras donner une PA pour chaque champ singulier. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout. Salam.